Le processus de sélection s'est avéré rigoureux, avec une attention particulière portée sur l'originalité et la profondeur artistique des participants. Bunzang Bunzang s'est démarqué par sa capacité à allier tradition et modernité dans ses récits, insufflant une nouvelle vie aux contes et légendes gabonais à travers des performances empreintes de passion et d'émotion. On représente son pays dès lors que nous sommes non pas en confrontation, mais nous sommes en échange avec d'autres pays, en échange avec d'autres cultures dans un territoire étranger. Pour cette rencontre, l'artiste met en lumière l'héritage culturel du Gabon à travers son art, tout en s'enrichissant des échanges avec d'autres créateurs venus des quatre coins du monde. La fabrique des fictions constitue ainsi un espace unique de dialogue interculturel, où Bunzang Bunzanga pourra non seulement partager sa vision artistique, mais aussi s'inspirer des autres talents présents. En tant que conteuse traditionnelle, parce que mon travail de conteuse s'appesantit beaucoup plus sur l'aspect traditionnel, l'aspect culturel, donc la valorisation de la culture, de la tradition via l'apprentissage de la langue maternelle. L'une des thématiques principales que j'aborde dans mes contes est celle de la paix, de l'harmonie, de la symbiose. Cet événement promet d'être un moment fort de partage et de créativité. Et Bunzang Bunzanga y portera haut les couleurs vert, jaune, bleu du Gabon, témoignant une fois de plus de la vitalité et de la richesse artistique de son pays.